Coucou les choucrouloutes, la rediff de ce live sera très courte pour la simple et bonne raison qu'on a passé environ 2 heures à bugger parce que ma carte graphique voulait pas faire la mise à jour de ses pilotes correctement et parce que je sais pas ce que j'ai foutu mais j'ai déréglé mon Streamlabs. Donc ça buguait sa mère et c'était la merde. Donc on a fait autre chose, j'ai tout supre et j'ai juste gardé la partie sur l'Ulabi. Donc c'est ce que vous aurez dans cette rediff. Et puis bah, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que pour rattraper le temps perdu, mercredi après-midi, donc demain, on va live sur l'Ulabi et puis on va faire la suite. Et ce soir, le mardi 12 décembre 2021, on va discuter du trailer du nouveau kit Sims 4. Voilà, j'ai bugué en disant Sims 4, tout va bien. Sur ce, bah, suivez-moi sur Twitch, hein, voilà. Le lien est dans la description. Bonne rediff et bisous. Et je veux des commentaires sur ma magnifique tenue. Voilà. Et voilà. Le bébé. Il est content, hein? Tu vas bien, Sofa, toi? T'as passé une bonne semaine, une bonne soirée? Un bon tout ça? Donc, j'ai sélectionné 5 chiens. On va au moins faire ça, quoi. On va au moins faire les 5 chiens. Et puis, après, je couperai là. Et j'irai... j'irai... Mais ça va, oui! Je sais pas si vous l'entendez miauler comme un... Non, ça rame plus, là, c'est bon. C'est bon, on a réglé le problème de ça, maintenant. Maintenant, faut que je règle le problème de mon PC qui veut plus installer mes pilotes graphiques. De la merde. Bof, la semaine. Ah. Bah, ça arrive. Ça ira mieux cette semaine. T'inquiète pas. Donc, alors. Interdiction de dire si c'est votre chien ou pas. Pour pas influencer le monde. Et puis, j'en ai sélectionné 5. On va voter tranquillement. Si Pierre est là, s'il peut faire le sondage, ou n'importe qui d'autre. Non, non, le ton chat à toi? Il a El Coriza? Ah merde. Mais ça soigne ça. Oui, Suki, il faut que tu coches les CC, parce que, tu sais, la case où il y a les CC, là, parce que ça dit qu'il y a des CC, mais j'en ai pas mis, mais voilà, c'est de la merde. Mais je crois que ça soigne le Coriza, courage, hein. J'espère que ça va aller, petite bête. Ça tombe bien, j'ai pas eu le temps. Voilà, c'est pas grave. Donc, j'ai sélectionné 5 chiens. Et bah, vous allez voter pour celui que vous préférez. Je rappelle que ça va être le nouveau compagnon de la famille de l'Ulabi. Et accessoirement, ce sera son familier vu qu'elle est sorcière. Petite bête. C'est comme la grippe, c'est pas grave, sauf chez les vieux, les bébés, ceux qui ont d'autres soucis, etc. Ah oui, d'accord. Ou puis c'est contagieux, ouais. Ouais, c'est chiant. Il se nourrit plus. Bah super. Bah beaucoup d'amour pour ce chat. Hein, pour ton chat. J'espère que ça va s'arranger. Il a 6 ans. Il devrait s'en sortir. Courage. Alors. On a donc Patatache. Une petite chienne qui est active, amicale et poilue. Voilà, Patatache, elle n'a pas la même couleur d'yeux, j'ai l'impression. Et plus clair celui-là, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Il y a un signe qu'il est mieux. Je vais lui donner un traitement. Bah tant mieux. Continue, courage, Sofa. Donne-lui plein d'amour à ton petit chat. Des cœurs et des paillettes. Pardon. Donc, Patatache. Ensuite, on a Tartino. C'est un mâle qui est fidèle, amical et intelligent. Voilà, Tartino. Ce nom me fait trop rire. Voilà. Vu l'heure et mon état de crise, n'importe quoi me ferait rire. Donc, voilà, petit chien. Enfin, c'est des grands chiens, principalement. Il n'y en a qu'un qui est petit.
c'est celui-là, Lucky, qui est un petit mâle. Lui, il est juste poilu. Voilà, il n'a pas de caractère, il est juste poilu. Regardez sa tête. Il a trop une tête de ouf. Savais même pas qu'on pouvait faire des oreilles poilues comme ça. J'avais jamais tilté. Donc voici Lucky. Après, on pourra peut-être éventuellement lui mettre d'autres traits si vous le choisissez. Ensuite, on a une femelle qui s'appelle Doudoune. Doudoune. Oui, accepte-le, je l'ai montré, le gros gal. Donc Doudoune qui est gloutonne, poilue et joueuse. La voilà. On dirait double face, c'est rigolo. Doudoune. Qu'est-ce que t'as fait, Doudoune? Voilà, avec un pelage un peu vache. Et enfin, on a Gunther. Aïe, aïe, aïe. C'est la race de papillons qui ont des... Ah ouais? Je savais pas. Gunther qui est un mâle qui est fidèle, intelligent et glouton. Il a l'air tellement zen, ce chien. Genre, il a l'air blasé. Je trouve pas que c'est un chien qui a l'air blasé. Genre, tu lui racontes une histoire et c'est ma gueule quand tu me racontes une histoire. Il a un peu la même tête que moi. Quand je suis blasé. Donc voici Gunther. Et il a un petit peu de blanc là, j'avais pas vu. Voilà, donc les cinq chiens, on repasse avec Patatache, Tartino, Lucky, Doudoune, pardon, Doudoune et Gunther. Donc je vais aller vous faire le sondage. Sauf si Pierre est sur le coup. Pierre, tu es là? Pierre, es-tu là? Pierre! Vous avez 5 minutes. Vous aurez 5 minutes pour voter. Ah, très bien. Mais il a déjà fait le sondage. Ok. Mais oui, non, mais Pierre, t'aurais pu mettre les noms. Refais. Non, annule ce sondage-là. Refais-le. Mets les noms, s'il te plaît. Annule ça! Oh là là, c'est ni fait ni à faire. Laisse tomber, je vais le faire. Aïe, 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 aïe. Où c'est qu'on le fait? Gérer les sondages. Allez, supre, supre. Voilà. C'est bon, je le fais, touche à rien! Insupportable. Alors. Donc, on avait Patatache. C'est trop drôle ce nom. C'est ça, hein? Non. Si, Patatache. Tartino. Tartino, Lucky, Doudoune et Gunther. Voilà, vous avez 5 minutes. C'est parti, mesdames et messieurs. Quel chien choisissons-nous? Honte. Merci pour les paillettes pour le défi. J'espère que si vous le y arrivez pas à le, si vous arrivez pas à le faire, vos paillettes vous seront remboursées. Je sais pas du tout. En tout cas, je l'ai rallongé. Je peux pas le supprimer, mais je l'ai rallongé. Vous pouvez voter, les gars. Vous avez 5 minutes. Donc oui, bon bah pour le moment, ça se vaut. Alors, je voulais remonter un petit peu. Patatache. Lucky. Tartino. Je sais même plus qui les a fait. Doudoune. Et Gunther. Gunther. Doudoune. Lucky. Tartino. Tartino et Patatache. Allez, on vote les enfants. On est 15. Il n'y en a pas 15 qui ont voté là. Il y en a 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 qui ont voté sur 15. Allez, on vote. C'est mardi, c'est mardi. Patatache,
Je remonte, hein, on n'a pas. D'ailleurs, Miss, est-ce que ça marche mieux là le stream? Parce que j'ai baissé les bitrates pour. Enfin, Cucu m'avait conseillé de faire ça pour les petites co. Tartino. Allez, on vote, on vote. Lucky. Doudoune. Et Gunther. Ah, attendez, je vais vous les mettre en mode. Oh, on est trop mignon, regardez, on est trop mignon. Voilà. Oh, je suis trop mignon moi aussi. Oui. Je fais le beau, je fais le beau. Je fais le beau, je fais le beau. Je fais le beau. Ouais, je pète un câble. Hein. Allez, on vote les enfants. Il n'y en a pas... Et on est 18, il n'y en a pas 18 qui ont voté, là. Doudoune. Et Gunther. Oui. Et après avoir fait le beau, ben je me couche. Voilà. Oui, gratte-moi le ventre. Gratte-moi le ventre. Je suis sur mon téléphone. Ok, et ben bah, tant mieux. Je pense que ça a joué, mais je suis pas sûre. Doudoune. Sa tête, regardez! Oh putain. Couchez! Couchez, Lucky! Oh! Ils sont beaucoup trop mignons. J'ai envie de tous les prendre. C'est où les. Bienvenue Inès! Bienvenue à toi. Je suis désolée, il n'y a pas le son du jeu. Il n'y a plus beaucoup de temps. Oh, lui aussi, il est trop chou. Ils sont tous trop chou quand ils sont couchés en fait. Alerte 2. Gunther et Patata, ils ont trop l'air bêtes quand ils sont couchés, c'est trop drôle. On dirait qu'ils louchent. Bref. Allez, votez. Il y a des ex-échos là entre Tartino et Doudoune. Faudrait essayer de les départager. C'est dans les paramètres de. Je te montre après si tu veux, Sofa. Je te montre après, il n'y a pas de problème. Et si Moski est toujours là, je lui montrerai aussi pour les FPS machin là. Enfin, ce qui buguait pour moi tout à l'heure. Allez, on vote. On est à 3-3-3 là entre Doudoune, Gunther et Tartino. Tartino. Doudoune. Gunther. Lucky et Patatache, n'est-ce pas? Je suis toujours là. Ma fille hurle. Ah, super. Bah, fonce. Non, c'était pas l'FPS. Je confonds je confonds les mots, mais là, je t'avoue que ma tête est comme une pastèque. Parce que ça fait 2h20 qu'on essaye de résoudre ce bug de merde. Ah, mais c'est Gunther qui a gagné. Gunther a gagné. Eh bien, félicitations. Je t'avoue que si Gunther n'avait pas gagné, je l'aurais mis dans une autre famille. Mais bah du coup, bah, il a gagné. Bah il a gagné. Ah bah Gunther a gagné. Donc je crois que c'est Pierre qui l'a fait. Enfin, c'est Oscar qui l'a fait pour Pierre. Donc félicitations, Pierre et Oscar. En même temps, il a tellement la tête... Enfin, je sais pas... Vous trouvez pas qu'il va trop avec Louis? Eh bah Doudoune a perdu. Doudoune a perdu. Par contre, je trouve que... Je vous avoue que j'ai un petit coup de cœur pour Tartino et Lucky. Et je pense que Tartino ou Lucky, je sais pas, je vais le foutre dans la famille de Siana et... Ma galerie fonctionne pas depuis 5 mois. Alors... Inès, ma galerie aussi a bugué pendant quelques jours là. Et ce que j'ai fait, je sais pas si c'est si c'est une coïncidence ou si ça a marché, mais j'ai déco mon origine, donc j'ai déconnecté mon compte, je me suis désidentifiée en fait, et je me suis reco et ça a marché après. Donc je sais pas. Tu veux Lucky avec vous? Ok, ça marche. Et bah Lucky qui a été fait par Nana. Voilà, donc il va chez Mamie et Miss, il n'y a pas de problème. Et Tartino, qui a été fait par Suki, je crois, ira avec Siana et le prince et leur fille. Voilà, en plus, ça a l'air trop mignon. Et ben c'est parti, on va aller les mettre.
On va aller les mettre et puis après... Quelqu'un veut doudoune. Tu veux doudoune? Bah pas de soucis, je vais te la mettre. J'ai fait mais rien. Bah je sais pas. Je suis désolée, je ne sais pas du tout Inès. D'ailleurs bienvenue à toi, je sais même pas si je l'ai dit parce que j'ai la tête dans le cul là. Mais bienvenue. Bienvenue et bonne année. Peut-être envoie un ticket à origine au service client. Pâte à tâche avec Max et moi. D'accord. Ok, bah y a pas de problème. Et y en a d'autres que j'avais pas sélectionnés, hein, donc on peut aller voir ça vite fait. Ça va, Ruru? Ruru? Ça va? Oui. J'ai cru que t'avais jeté un truc. Oui, j'ai balancé le chat. Ah d'accord, on sait c'est que le chat. Pauvre bête. Ça m'avait pensé à la connasse. Pardon, non, je vais pas partir dans ce débat. Regardez, je suis grosse. Il y avait aussi le petit là, Émerude. C'est un petit bulldog gris et gris, enfin gris foncé et gris clair. Si quelqu'un le veut aussi, et le petit chien Galaxie de Claire. Mais je trouvais qu'il était trop étrange pour moi. Non, il a pas lancé le chat. Bien sûr que non. Tu crois bien que j'aurais réagi autrement? Eh bah bienvenue Flamme, bienvenue à toi, j'espère que tu t'amuseras. T'es pas au meilleur live du monde parce que ça fait que bugger. Et en plus il y a plus de son, faut que je règle ça, mais bon ça c'est pas grave. Donc si quelqu'un veut Violette et Émerude, y a pas de problème. La fille qui crée les chiens, bah il y en a plein là, regarde, c'est écrit. Remoski. Galaxie, tu peux la mettre avec mon sorcier vert. Oui, c'est vrai. On va la mettre avec Irlok. Je sais plus où il habite par contre. Alors on va faire toutes les maisons. Where are you? Where are you? Attendez, je vais plutôt regarder où il est. Irlok, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Il est là. Evergreen, très bien. Très bien, très bien. Ça va adopter ses verts. Non, il va pas avec, il va avec Sienna et Evenel. C'est Peluche qui va avec Grégoire et Sean. Elle est beaucoup trop cute. Quand je l'ai vue, j'ai dit, ok, elle va avec Grégoire et Sean, c'est même pas, c'est même pas une option. Voilà, alors, hop, Galaxy. Youp. Ah oui, non, mais Peluche est beaucoup trop mignonne. Voilà, on va avoir des petits chnings. Vous avez dit qui avec qui déjà? Le petit Lucky va avec Mamie et Miss. Et les autres, j'ai oublié. Ça va aller avec ton chien avec ton chat C'est moi, Doudoune. Ok, toi, tu prends Doudoune. J'espère qu'Aurélien va être d'accord. Hein. Bah, il avait qu'à être là. Voilà, voilà, voilà. Ok. Alors, attendez, je mets un cœur à ceux que j'ai déjà pris. Merde, j'ai pris celle-là au lieu de prendre celle-là. Bon, c'est pas grave. Patatache. Hop. Putain, un chien, deux mouflés. Oh là là. Merci Flamme, c'est gentil. Mais écoute, je live sur les Sims tous les samedis quand ça bug pas. Et il est possible que je crie un peu plus d'habitude, mais là, là je suis fatiguée. En fait, pendant 2 heures, ça a bugué, donc j'ai la tête comme une pastèque. Où est-ce que vous habitez déjà, Pierre? Putain, je sais plus, moi. Là, messire, là. Oh, vous savez quoi? On va filer le... On va filer lui à la trougne. Et il est as. Allez, allez, hop là. Ah, tu veux la mettre pour Léna? D'accord, bah attends, on annule. Je la mets pour Léna, il n'y a pas de problème. Léna, elle est là. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. T'es où? T'es pas là. Elle est là. Avec son chat. D'ailleurs, j'hésitais à leur refaire un bébé tous les deux. Tous les deux. Donc ça, c'est Suzy et Gabriel qui sont pour le moment chez eux. Hop, voilà. Bonne nuit, Flamèche! N'hésite pas à reviendre. Ah bah c'est sûr qu'on n'est pas 14K. Hein.
Mais jour on sera 14K, ce sera chiant. Je pourrais plus vous parler. Parce que j'étais sur les un stream d'un grand streamer l'autre jour et en fait bah il leur parle pas, c'est un peu nul de faire un stream pour ça. Enfin bon. En même temps, c'est compliqué de parler à 15 000 personnes. C'est bon, patata c'est bon, tartino, doudoune. Mais non, j'ai mis... Mais je suis con. J'ai mis patatache avec... Oh, mais quel débile. Bonne nuit, Inès. Merci d'être passée. J'ai mis patatache avec Kylian. Oh là là, quelle blairelle. C'est pas grave. C'est pas grave. Bah comme ça, regarde. Hop, 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 hop. Où sont Max et... Voilà. Ah oui, mais vous avez déjà Loki. Vous voulez deux chiens? Bah allez, c'est parti. Hein. Y a pas de problème. Hein. Hop. C'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. Doudoune. Doudoune. Qu'est-ce que t'as fait, Doudoune? Deux chiens. Bah oui, bah vous aurez deux chiens, y a pas de problème. Y a pas de problème. C'est moi qui fais tout dans cette maison. Oh oui, un bébé. Ok, bah je leur ferai faire un bébé. Je le note, je le ferai demain ou un autre jour. Là, je suis à l'ouest. Alors, peluche. Oui, peluche, mignonne. Pardon. Peluche, peluche. Allô, merci. Hop, avec Grégoire et Choun. Et voilà. Oh, et ça, ils vont tellement bien ensemble. Ouais, vous avez eu votre petite Zoé, elle est née. Elle est née, elle est là. Voilà. Bon, elle s'appelle pas encore Zoé parce qu'on peut pas les renommer quand ils sont bébés et que j'ai pas eu la naissance, mais elle s'appellera Zoé, hein, c'est pas voilà. Et puis il reste qui? Il reste hop. Il reste Tartino qui va aller avec Siana et le prince qui ont déménagé ici, hein, dans une demeure plus grande et puis en plus juste à côté de Momon. Momon! Et enfin, et bien Gunther! Voilà! Le Gunther! C'est parfait! J'espère que ce sera un bon chien! C'est nul, Pierre. Arrête tes blagues. Arrête. Ouais, là, il y en a plein qui ont eu des bébés, là. C'est la fête. Rien, Léna et son gros cul qui tient le chien. Putain, les seins énormes. Aïe, aïe, aïe. Qui c'est qui a eu leur bébé? Il y a eu Siana et Venel qui ont eu leur deuxième enfant. Il y a eu Mamie et Miss qui ont eu... Oh putain, je suis complètement décalquée les gars. Qui ont eu... je sais plus comment elle s'appelle. Mélusine. Il y a eu Nana et Suki qui ont eu Zoé. Tiens, Miss Yoko, tu es là. Donc si quelqu'un veut pécho Miss Yoko, sachez qu'elle est là. Il y a eu Aurélie et Enzo qui ont eu leur enfant. Je rappelle que Enzo, c'est l'un des fils de Ileas et elle, c'est l'une des filles de Jessica. Il y a eu qui? Il y a eu trop de gosses qui sont nés. Elles deux, elles ont eu des jumeaux. Elle, c'est la fille de Kotyo. Il me semble. Des triplés. Elles ont eu des triplés, putain. Des triplés, c'est super. Amélie, Vincent et Yann. Très bien. Super. J'ai validé cette blague et tu étais sobre. Oui, mais bon. Tout le monde fait des erreurs. Hein. Si, le Kotyo. Elle est grand-mère. Il y a eu... Ah, ben voilà. Kevin et Marie ont eu des jumeaux. Je sais plus leur nom, mais ils ont des noms. Couché dehors. Fantine et... Bob ont eu un enfant. Trop d'enfants. Trop d'enfants. C'est...
L2, elles sont enceintes, je crois. Siakan et elle, je sais plus son nom, elles sont enceintes, il me semble. Clovis et Cléa ont eu un enfant aussi. Je sais plus leur nom, faut pas trop m'en demander. Et voilà. Plus bonheur et de joie avec trois gosses, non? Plus quoi? J'ai rien compris, Claire. J'ai pas compris. Ça se voit que je suis en train de décéder de la tête là ou pas? My God, j'ai l'impression de ne pas avoir la même voix que d'habitude en plus. C'est très 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 bizarre. Ou alors c'est parce que j'ai pas le casque sur la tête. Et du coup je me fais mal à la tête en parlant. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je sais ce que je voulais faire. On va faire le baby. Le boo baby. Boo. Boo baby. Non, Pierre. Non. Tais-toi. Tais-toi! Ah, plus de bonheur et de joie avec trois gosses. Exactement. Bon, ils vont ken. Allez. Comment ça? Venez là. Venez là. Mais vous êtes mariés, vous voulez pas faire un bibi? Ah, d'accord. Mais non, ça c'est ça. C'est son beau-fils, forcément, qu'ils vont pas qu'elle ne... On va se calmer, hein. Mais quoi? Mais pourquoi elle peut pas amour? Ah mais oui! Mais... Quoi? Hein? Quoi? Mais c'est Lucius, pourtant. C'est quoi le problème, là? C'est quoi ce bug, encore? Bah, elle est adulte, elle aussi. Bah alors? Bah pourquoi elle peut pas qu'elle? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Fais une blague. Arrêtez de vous TP, ça m'énerve! Pourquoi ils... Pourquoi ils peuvent pas? Ah! Est-ce qu'ils sont pas frères et sœurs par hasard? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben si, ils sont frères et sœurs. On va éviter. Mais c'est quoi ce bordel? Mais quoi? Ok, j'ai pas tout compris là. Ok. Oui, oui, non, mais je vais enlever le fait qu'il soit. Qu'il soit frère et sœur, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Allez hop. C'est pas ça que je voulais. Ah oui, l'arbre généalogique. J'essaie de le faire, l'arbre généalogique de tout le monde, mais en fait, c'est un épouse. Je... Qu'est-ce que j'ai branlé? Ouais. À la base, ce n'était pas sa sœur. Hein. C'est moi qui ai dû faire ça. Je sais plus pourquoi. Et j'ai oublié que j'avais fait ça. Et je les ai mis en couple. C'est pas grave, les gars. Je ferai le MC, j'enlèverai leurs liens familiaux et je la mettrai enceinte. Oui, c'est fait, Missyoko, t'inquiète. Mais je ferai ça avec le MC commandeur demain ou après-demain ou plus tard. Là, on peut pas enlever le fait qu'ils sont frères et sœurs. Non, pas d'inceste, merci. Ça ira. Merci aux gens qui sont là. Merci beaucoup. Tu as trop fumé. Non mais en fait c'est ça, c'est que je fais des trucs mais je les oublie entre deux donc voilà. Eh ben oui, mais dépensez pas vos beats parce qu'on les entend pas. Vous avez peut-être entendu cela dit. Vous avez entendu ou pas le fail? Parce que moi j'entends rien. Enfin de toute façon j'ai enlevé mon casque donc forcément j'entends rien. Mais j'ai un souci de... Oui, vous l'avez entendu? Bah cool. C'est déjà ça. Tant mieux, alors c'est bon. Sukima n'a pas envoyé ses baits pour rien. C'est bon. N'hésitez pas à aller sur le Google Doc pour me faire les rénovations de certains terrains.
Et puis, il y a des terrains libres aussi, enfin, même si c'est un peu compliqué parce que je fais plein de bordel. Suki, j'attends avec impatience ta maison pour Sean, Sean et Grégoire, et pour le chien, et pour la petite qu'ils vont adopter, qui est déjà créée. Je peux vous la montrer vite fait. Elle est là. Voilà. La petite Kaena. Voilà. Elle est beaucoup trop mignonne. Et bah, ils l'adopteront plus tard. Sur ce, je pense qu'après toutes ces mésaventures, je vais aller me poser la tête. Voilà. Bah, sur ce, merci d'avoir assisté à ce stream catastrophique. Où on s'est quand même un peu fait chier. Bah de rien, Momo. Après, je sais pas si ça va marcher, si c'était ça ou pas, je ne sais pas. Mais bon, bah autant tester, hein, j'ai envie de dire. Bah sur ce, j'espère que le prochain stream sera mieux, hein, qu'on s'amusera tous, parce que là... Merci d'avoir été là, d'avoir aidé en tout cas, et d'avoir soutenu. Et merci encore à tous ceux qui ont envoyé des follow, des bits, et à ceux qui ont regardé. Merci à ceux qui regarderont la rediff, mais qui la regarderont pas parce qu'elle ne sera pas en rediff. Et puis, moi je me suis amusée, bah tant mieux. Et puis le train de hype, les gars, on a eu le train de hype. Et ça c'est classe. Ça c'est classe. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Je vais essayer de régler mon histoire de son. Et si vous voulez, on se fera une petite partie de téléphone, là, de téléphone arabe. Et bah sur ce, des bisous sur vos culs et des cœurs et des paillettes. Et salut. Wouah ! Merci Suki.